Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Dead Space Remake. Je sais plus du tout où je me suis arrêté, ça fait une semaine que j'ai pas touché au jeu. Je me rappelle que c'était la merde. Et si, c'est bon, je me rappelle. Il y avait le monolithe, l'immortel, tout ça là, casse-couille. J'avais toujours pas les finances pour la tenue de niveau 5, qui était très très chère. My friends, is this what you hoped for when you signed your lives away to the church? Does this carnage look like transcendence? I don't know what lies beyond death. Not anymore. But I do know our lives are more than just fuel for convergence. If we work together, we can fight this evil. Ok. Infidels. Il y a Ahmed, le dead terrorist qui est passé par là. Il y a un truc quand même où je me suis rendu compte en fait en me repassant un petit peu tout ce qui s'est passé dans le jeu depuis le début, voilà, bonjour. En fait, le remake est progressivement de plus en plus différent avec le jeu original, genre le début c'est identique, ça se passe de la même façon. Deux, trois différences mineures et plus t'avances dans le jeu, plus il y a des différences vénères. Donc je me demande, comment ça va être la fin, la toute fin, genre quand on va sur la planète et tout, là. Ok, donc ça c'est verrouillé, parce que ça c'est verrouillé. Salle de bain de la direction. Ils ont leur propre salle de bain en plus, les salauds. Me dis pas que c'est ce que je pense que ça va être. Oh putain. Il va revenir l'autre encore, c'est ça l'histoire? Ah! Putain. Yes. Ah. Il va venir maintenant, c'est ça? Ah! Semi-conducteur or. Et avec ça, j'espère avoir assez pour prendre la tenue de niveau 5! Ok. Un point de force. Je sais plus combien j'en ai. Faut que je fasse quoi ici? Attends, what the fuck? Tout ça pour ça? Quelques pauvres crédits et genre... What the fuck? Hein? Détruire le tentacle... Ah! Ah d'accord.
Ah, d'accord. Je vois ce que c'est. Je vois comment c'est. Ok. Adieu. Évidemment. C'était pas du tout prévisible. Oh! Putain! Je suis en train de me cramer tout seul, quel con. Sérieux, j'ai plus de musique. Non mais... Putain! Je me rappelle plus que c'était autant la galère de munitions dans ce jeu là. What the fuck? Pourquoi ils donnent rien eux? J'ai déjà looté leur... Oh. Ok. Oh. C'est quoi ça? What? Sérieux? Je peux pas la récupérer? C'est des munitions de fusil. Je l'ai eu? Ah, merci. Putain, mais il y a combien de tentacules? Mais quel enfer! Ok. Bon bah nique, alors j'ai toujours pas assez. Putain, mais c'est pas possible. 4000 il me manque. Ah, vas-y, je peux pas. Ouais, allez, vas-y. C'est pas comme si le méga PK je spammais, pour l'instant. Un jour peut-être, mais... Oh yeah. Ok, donc à moins qu'ils aient rajouté quelque chose, je pense avoir la tenue de niveau max pour ce playthrough. Parce que la tenue de niveau 6, qui est la tenue la plus haute de Dead Space originale, c'était la tenue militaire et tu ne pouvais l'avoir que en allant New Game Plus. Donc, en toute bonne logique, je peux plus améliorer le niveau de la tenue autre qu'avec les points de force durant ce playthrough. Let's see.
Oh. Hi, I'm Dr. Terence Kine. Remember, we spoke on the Valley. If you're real, let me in. I need to destroy that cluster behind you. Not yet, but if, escape on that shuttle and you'll kill us all. What? So if we return the marker to Aegis 7, it'll stop the outbreak? Exactly. But we need the shuttle to return it to the planet. You have a singularity core, and I can let you through. So what do you say? If it'll end this for good, deal. Excellent. I can distract Mercer, but not for... Wait. Je vais faire une petite bidouille. Hop, voilà. À un moment, le son du jeu est un peu plus fort chez vous, mais ça devrait pas être trop. Sinon, pourquoi il se casse? Genre, tu peux pas rester dans la pièce où moi je vais arriver, je vais pas te péter la gueule, hein. C'est ouf, ça. Oh. Ah. Collection complète. C'est quoi ce succès? Success. Collecter 150 journaux. Ok. Bon, alors dans l'original, c'était un putain d'enfer de récupérer le monolithe, il fallait le guider et tout, c'était infernal. Ok. Bon. De combien de points? On est 4. Cool. Lance-flamme. Ah. Méga PK. Oh. Alors lance-flamme, c'est quoi? SP2 augmente la portée. Bien. Ok, donc si je me base au point dispo pour améliorer, c'est effectivement le niveau 6, le niveau max dans ce jeu également. Pour le cutter, je l'ai à fond. Lui, je l'ai pas encore à fond. Il me manque une amélio. Découpeur, j'en ai rien à foutre. Méga piqué. Zone de la stase, énergie de la stase. Ok. Good, good, good. Ok, let's see. Ah bah oui, bah évidemment. Nick.
Haha! Alors, vous allez faire quoi maintenant? Est-ce que vous êtes en capacité de monter? Il semblerait que oui. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant de trigger ça. Oh sérieux, vous pouvez pas monter? Ah si. Putain, prenez votre temps les gars hein. Yes. Mais ta fac, il donne plus de loot ou quoi? C'est moi qui suis devenu complètement con entre temps. C'est pas impossible. Bon. J'y vais à mon rythme, mec, hein. Toi, je te fais pas confiance. Hop là. Ah, ok. Ok, ok, ok. Je sais exactement où je suis. I know exactly where I am, and I know like it. I know like it one bit. Okay. Bon les petits amis, je vous cache pas que le wipe est imminent. S'ils ont respecté l'original, ça va être un putain de rush de mob. Let's do this. D'abord je loot ce que je peux. Ok. Salut! Espèce de... Tiens! La porte ouvre... Putain, j'ai stasé la porte aussi! Hihihi! Wouah!
Oh putain. Allez, tous crevés! Oh putain, par pitié! Allez, mène ton cul! Mène ton cul! Quoi? Oh putain! Ok. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Non mais... Putain mais tue-le! C'est tellement proche de la mort. Do you read me? Mr. Clark. Mr. Clark, come in. Fuck this ship. You're alive. Altman B. Fuck Altman too. Kendra? We have. But every alert on the Ishimura is screaming. Critical damage to internal systems. The marker just ripped right through the ship. Something pulled it down to the cargo bay. Kind. Pilot the shuttle to the hangar. I'm going after the marker. Of course. Amelia, quickly. Wait, Dr. Kine. That guy's lost it. He killed the captain. We can't trust him near the marker. He says returning it to the planet is the only way to end this. We've got to try. I'm heading to cargo. You ping Nicole's rig and tell her where to go. Leave it to me. Thanks. When I get the marker, we're all getting out of here. C'était plutôt inattendu. Est-ce que j'ai encore des missions secondaires? Nope, mais c'est pas grave. On peut quand même explorer un minimum. Ah tiens, je me rappelle de cet endroit. Ok. Ouais non, en fait non.
tram control. Bon. Mr. Clark, we're approaching the hangar bay. We'll meet you there with the marker. Now arriving at flight deck, tram control. Yes, Amelia, soon. We'll send the hive mind back into the darkness. So glad you gave that guy our only escape shuttle. C'était pas une bonne idée, en effet. Those things you've killed, their biomass is pulled down in the cargo bay. It's recombined itself into... Well, it's something huge, and the marker's embedded right in the middle. How the hell do we do this? I've got the Ishimura's cargo cranes. They can move half a bay of mining gear, no problem. If whatever's down there wants to wrestle for the marker, I'm in. Override the safeties, and yes, it might work. But hurry. We're losing critical systems fast. Ok, je vais tomber sur quoi, là? The fuck? Okay. Bon allez, YouTube, dans le prochain épisode, on bouge le monolithe, ça va chier. À plus.